Bonjour, chers spectateurs de Inspire Life, New Ideas for a New World. C'est Petra Pop, aujourd'hui à Paris, avec une personne très, très inspirante pour moi, dont j'ai l'honneur de vous présenter, Tariq Cekcak. Bonjour à tous. Bonjour. Tariq est ingénieur écologue, directeur sciences et environnement au sein de l'équipe Jacques Cousteau, secrétaire du bureau français de Biomimicry Europe ou Europa. Ça, c'est le mot anglais pour biomimétisme en français. Absolument. Avant de parler en détail sur le biomimétisme, ce qu'on veut faire aujourd'hui avec vous, Tariq, vous qui voyagez beaucoup dans le monde, et notamment vous êtes explorateur aussi sur les pôles sud et nord. Quel est votre constat que vous voulez faire éventuellement au moment présent, maintenant? Est-ce que vous voulez partager votre constat sur l'état des banquises, sur l'état des océans surtout? Brièvement, on parlera de biomimétisme tout de suite, mais quel est votre avis, votre constat que vous faites maintenant? Alors bien sûr, c'est en lien aussi avec mon engagement pour le biomimétisme, parce que c'est ce constat qui m'a mené vers le biomimétisme. C'est vrai que ce n'est pas un constat très positif, parce que j'ai 43 ans, j'ai déjà vu l'environnement changer en quelques décennies. J'ai grandi en Afrique du Nord, au bord de la mer, j'ai appris à plonger là-bas, j'étais très jeune, je ne me rappelle même pas la première fois que j'ai mis un masque sur mes yeux, pour pouvoir découvrir l'environnement marin qui m'a été un petit peu... Jacques Cousteau a été une inspiration pour tellement de gens, et c'était le cas pour moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter vers la biologie marine au départ. Et en replongeant quelques décennies plus tard, je me rends compte que déjà cet environnement que j'avais aimé, que j'avais découvert, il est déjà altéré, très fortement altéré même parfois. Et c'est la même chose pour aussi l'endroit où j'ai grandi, qui était à la campagne. Maintenant, c'est les faubourgs de la ville. Et alors, vous imaginez, sur 40 ans, donc vous mettez ça sur plusieurs siècles, et finalement, on se rend compte que notre planète a été tellement transformée par l'humain, et de manière parfois très violente, qu'on parle de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on a quitté une ère géologique qui a duré pendant 10 000 ans, l'Holocène, pour entrer dans l'ère transformée par l'humain, une ère géologique, donc, qui est anthropos, donc en grec humain, et donc ère pour scène. Donc on voit des impacts partout. Les prédateurs si importants pour l'écosystème des océans, je parle juste des océans là, comme les requins, comme les grands poissons, comme les thons, etc. On a une disparition massive à cause de la surpêche de ces prédateurs-là. Et ils ont façonné l'écosystème marin, les requins par exemple, pendant des millions d'années. Donc si on enlève les requins, on transforme complètement l'écosystème marin. C'est un exemple. Et en ce qui concerne la banquise, effectivement, je vais dans les pôles depuis 20 ans à peu près, et la banquise arctique particulièrement est en train de disparaître pendant l'été. Je pense qu'on a franchi un seuil d'irréversibilité, probablement, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant s'adapter à un monde qui bientôt sera sans banquise estivale, c'est pendant l'été simplement. Donc oui, le constat est un peu douloureux parfois. Je peux bien imaginer que vous devez gérer ça de temps en autre, en vous-même aussi. Est-ce que vous constatez aussi cette forte acidité des océans, des eaux des océans? Est-ce que vous pouvez confirmer ça aussi? Alors c'est un nouveau problème qui apparaît, qu'on avait très sous-estimé, parce que l'océan nous rend toutes sortes de services qui sont très importants, et un des services qui est vraiment pas un des moindres, c'est d'être capable de capter une partie du CO2 qu'on émet de manière trop disproportionnée dans l'atmosphère. Donc c'est un réservoir de CO2, mais en faisant ça, il a aussi une limite, l'océan, c'est-à-dire qu'il finit par s'acidifier. Et il y a plein d'organismes marins. On pense souvent, quand on parle des organismes marins, aux plus symboliques, comme les requins, les dauphins, les baleines. Mais les plus importants, quelque part, pour l'écosystème, parfois aussi, c'est des tout petits, petits plants, des petits animaux qu'on appelle les planctons, les algues, qui construisent leur squelette à base de calcaire. Et donc, ils sont très sensibles à l'acidification des océans. Et donc, on commence à observer, particulièrement d'ailleurs dans les zones arctiques, à cause du phénomène de température, qu'on a une acidification effectivement des eaux
qui pose des problèmes pour la synthèse des structures de ces organismes-là. Et donc, c'est un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à faire prendre ce genre de risque à la base de l'écosystème marin? Oui, c'est déjà des choses qu'on constate. On n'est pas simplement dans la projection, on est dans l'observation de conséquences qui commencent vraiment à devenir de plus en plus importantes. Alors, bien sûr, tout ça, c'est un peu démoralisant. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est une fatalité de se retrouver en permanence à essayer, en tant qu'environnementaliste, de, comme on dit en français, de mettre des pansements sur des jambes de bois, c'est-à-dire d'avoir l'impression de faire des actions pour essayer d'éviter les problèmes, mais en fait, la source des problèmes est tellement en train de continuer à déverser dans un ensemble de conséquences sur les écosystèmes que le peu qu'on fait est rapidement balayé par l'augmentation de l'intensité des problèmes. Et le biomimétisme, pour moi, était une partie du puzzle qui me manquait, en me disant, il faut que je parle, il faut que je trouve le moyen de parler aux ingénieurs, aux managers, aux personnes qui réfléchissent à la stratégie économique, pour réconcilier les savoir-faire avec le savoir-vivre. Et c'était ça, pour moi, la principale raison. Et c'est pour ça que, bizarrement, enfin, pas bizarrement, c'est assez logique, je me suis retrouvé à m'intéresser à l'innovation, au management, à l'économie, et à explorer ces sujets-là, parce que je ne voulais pas simplement me contenter du constat. Donnez-nous très brièvement, s'il vous plaît, Tariq, la définition du biomimétisme, que tout le monde soit sur la même vague. Alors, c'est l'inspiration qu'on peut prendre en observant la nature pour innover. Et le biomimétisme, c'est un peu particulier, parce qu'on peut rappeler, disons, le grand ensemble, la bio-inspiration, on va s'inspirer de la nature, les artistes peuvent faire de la bio-inspiration, mais dès qu'on veut, par exemple, essayer de résoudre un problème technologique ou un challenge, à ce moment-là, on rentre dans une zone particulière de la bio-inspiration, qui est, par exemple, la bionique, la biomimétique, en anglais. Et alors, le biomimétisme, moi, je suis pour, en tout cas, le réserver pour essayer de résoudre des problèmes liés au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire que c'est un sous-ensemble qui a assez bien été défini par Janine Binius, une Américaine aux États-Unis dans les années, à la fin des années 90. Elle est un peu la fondatrice de cette conception, de cette science. Tout à fait. En tout cas, dans son aspect durabilité. Pas dans son aspect bio-inspiration en général, parce que ça, c'est très ancien. On pense à Léonard de Vinci, on pense à toutes sortes de... même les peuples premiers qui observent la nature depuis très longtemps. Mais de rajouter la dimension où il faut vraiment essayer de répondre en faisant ça à des problématiques de développement durable, de sustainable development. Alors là, oui, c'est vraiment Janine qui a introduit au cœur du concept donc cette idée de développement durable. Et moi, j'ai découvert grâce à Gauthier Chapelle, un ami cher belge avec qui on a vécu bien des aventures marines et polaires, d'ailleurs, avant de s'intéresser au biomimétisme ensemble. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est d'abord enthousiasmant, c'est une ouverture du regard, c'est observer ce qui est devant nous depuis des millions et des milliards d'années, comprendre un peu les stratégies du vivant pour essayer nous-mêmes de nous resynchroniser avec la biosphère, avec l'atmosphère, l'eau, l'hydrosphère, etc. C'est ça la promesse du biomimétisme. Donc, en gros, c'est les sciences qui s'inspirent des exemples donnés par la nature et au lieu d'inventer eux-mêmes, ils essaient de transmettre ce qu'ils observent de la nature dans leur nouvelle technologie parce qu'on découvre que c'est en fait la meilleure solution finalement. Alors, c'est de l'observation, oui, mais ça n'empêche pas d'utiliser l'intelligence humaine. C'est-à-dire, on comprend les recettes en fait de la nature. Et on comprend pourquoi elles sont là. Ce que j'appelle un petit peu, c'est une image, hein. On a une planète, on partage cette planète avec toutes sortes d'espèces. L'humanité est sur Terre depuis, en tant qu'humain, en tout cas Homo sapiens, depuis 200 000 ans. On a connu 10 000 ans de stabilité climatique et en termes de biosphère. Et c'est grâce à ces 10 000 ans de stabilité qu'on était capable de peupler quasiment toute la Terre. Quand on y pense, des tropiques jusqu'au Groenland, on a des humains qui vivent dans des environnements très variés. Et tout ce succès de l'humain, quelque part aussi, il faut le dire, il a été lié à ce soutien que nous donnait la biodiversité, l'atmosphère et sa stabilité, et l'hydrosphère, etc. Donc à partir du moment où on commence à détruire la biosphère, on assiste à la sixième extinction de masse qui est due à l'activité humaine, hein, de la biosphère. À partir du moment où on modifie l'atmosphère, on se retrouve quelque part à couper les fils d'un tissu dont nous sommes nous-mêmes des motifs. Donc déjà, bien comprendre ça, qu'il ne s'agit pas de sauver la nature, mais de sauver nous-mêmes comme motif de cette nature. Nous sommes aussi la nature,
Voilà. C'est comme si on sciait la branche sur laquelle on est assise. Exactement. Leonardo da Vinci, j'aime bien sa citation qui disait, et ça explique très bien déjà à l'époque, ceux qui sont inspirés par un modèle autre que la nature, qui est la maîtresse par-dessus des maîtres, peinent en vain. Et je crois que c'est ça qui se démontre après toutes ces années de recherche de l'époque industrialisation, que nos inventions qu'on essayait de faire avec notre mental unique sur un certain ego démontrent que ces inventions-là sont certes géniaux, mais ils nous mènent carrément nulle part, et presque contre le mur. Donc on commence maintenant à comprendre que la nature a toujours trouvé les solutions qui perdurent quand même. Alors oui, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais ça n'empêche pas d'utiliser l'intelligence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copier simplement la nature et de ne pas faire fonctionner sa créativité. Mais cette créativité, elle doit être ancrée dans quelque chose de plus profond, qui est la compréhension de l'interdépendance, qui est la compréhension que nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, on partage un beingness, comme on dit en anglais, une sensation vitale qui est partagée par l'ensemble des êtres vivants, et que de ce point de vue-là, ils sont nos frères et ils sont nos sœurs, bizarrement. Je sais que je vais peut-être un petit peu loin, je vais peut-être choquer certains scientifiques qui trouvent que je fais de l'anthropocentrisme, mais ce n'est pas ça. Je fais j'essaie de trouver en fait que, en nous, finalement, ce qui nous rend dans une communauté de destin avec l'ensemble des êtres vivants. Cette planète, elle est quand même extraordinaire. On l'oublie. On est en train de chercher de la vie sur Mars, on envoie des machines sophistiquées, c'est très bien, ça fait partie de l'aventure humaine, hein. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais on oublie, on a tellement le nez dedans, qu'on est dans une diversité du vivant sur cette planète absolument extraordinaire, qui a des stratégies incroyables du fin fond des océans, dans les fosses profondes, dans les sources hydrothermales avec des pressions importantes, des températures importantes, jusqu'aux tropiques où il y a un foisonnement du vivant incroyable, dans une forêt tropicale par exemple, ou en Antarctique où vous trouvez aussi des organismes capables de vivre et de se développer dans des environnements aussi extrêmes. Et on oublie finalement d'être émerveillé déjà, ne serait-ce que par ce constat. Ensuite, oui, c'est vrai qu'on est une espèce tout à fait particulière, qui a un esprit rationnel, capable de développer des concepts, et que c'est ni bien ni mal, c'est une caractéristique humaine, mais l'effet secondaire de cette capacité, c'est aussi de créer un monde de représentation, un monde d'idées, qui peut parfois masquer le monde réel. Donc tout le challenge du biomimétisme, ce n'est pas juste simplement d'observer la nature, c'est de faire fonctionner notre créativité en ayant bien compris, quelque part, comment la nature fonctionne, comment la nature dont nous sommes partie prenante, quelles sont les règles qui semblent émerger de 3,8 milliards d'années d'expérimentation et dont nous devons prendre en compte nous-mêmes si jamais on veut pouvoir durer sur cette planète de manière harmonieuse. C'est vraiment ça. C'est pas une guerre contre l'intelligence humaine. Au contraire, c'est la resynchroniser avec le cœur, avec la compréhension profonde de notre interdépendance. Merci Tariq. C'est très très beau. Est-ce qu'on peut encore parler des jeunes qui se sentent inspirés, je crois. Il faut penser à eux avec cet nouvel développement et s'adresser à eux surtout. Si un jeune se sent inspiré par cette science biomimétisme, vers où vous le dirigerez dans ce cas-là ? Alors, je dirais que ça dépend où il se trouve, parce que ce qui est intéressant, il faut rester modeste. Nous sommes porteurs de cette thématique assez fortement en France. Dans le monde entier, en fait, il y a des gens qui commencent à se rendre compte de ça. Janine, avec son livre, a beaucoup contribué à ça également. Mais aussi, qui s'appelle ? Qui s'appelle, en anglais, Biomimicry Inspiration from Nature, je crois. Je ne suis pas certain de... Mais en français, c'est le biomimétisme, l'inspiration de la nature, aux éditions L'Échiquier, en français. En fait, on a de plus en plus de personnes à travers les conférences qu'on donne, effectivement, beaucoup de jeunes, mais pas simplement des jeunes, hein, de toutes les générations, qui se sont très enthousiasmés par cette démarche. Et je dirais, en France, ils sont les bienvenus pour contacter notre association. Sinon, s'ils sont ailleurs, on peut les orienter vers des gens de notre réseau qui ne sont pas forcément directement liés à nous, mais avec qui on aime bien échanger, collaborer, qui sont dans d'autres pays, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis, bien sûr, avec le Biomimicry Institute. On a vraiment toutes sortes de possibilités maintenant de s'impliquer
pour pouvoir pas simplement donc découvrir le concept comme ça intellectuellement, mais essayer peut-être de le mettre en application dans ses métiers, dans sa vie quotidienne, pourquoi pas aussi, parce que ça peut concrètement nous apprendre des choses, y compris pour la gestion de notre vie quotidienne. Moi, le biomimétisme m'a appris personnellement à voir les choses différemment. Un exemple tout bête, à chaque fois qu'on a une contrainte, on a l'impression, que, bien souvent, que le but, c'est de la transgresser, de la casser. Le vivant ne fait pas ça. Le vivant s'adapte à la contrainte et l'utilise même pour innover. Donc ça, on peut rendre cette leçon-là personnellement, plutôt que de tout le temps en train de se dire « il n'y a que des problèmes », même dans une société aussi en crise que la nôtre. Peut-être qu'on peut, dans une phase de transition, réfléchir à ces problèmes et les prendre individuellement et se dire comment les transformer en ressources. C'est ce que le vivant fait. Transforme un problème en ressources. Et là, du coup, on met en place des cercles vertueux qui, petit à petit, finissent par porter leurs fruits en faisant confiance à l'émergence, à la complexité. C'est un peu comme l'image du colibri. Chacun fait sa part, c'est-à-dire... Vous connaissez l'image du colibri, oui ? Bien sûr. On a le petit colibri qui essaie d'éteindre le feu de forêt avec son petit bec et les autres animaux qui disent « Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. » Il dit « Je fais ma part. » Mais si chacun fait sa part, il y a une belle émergence qui peut sortir de cette complexité. Voilà. Donc c'est important aussi de ne pas être tétanisé par l'ampleur des enjeux, mais de faire sa part, la part du colibri. Merci. Il n'existe pas encore pour les jeunes un sujet précis qu'on peut faire comme étude, par exemple. Ça, c'est une combinaison des différentes sciences. On peut citer la biologie, l'architecture, le design, l'ingénierie, et tous ces sujets-là qui travaillent ensemble après pour faire une bonne symbiose pour le biomimétisme. Oui. Alors là, en France, par exemple, on est en train de mettre en place une formation avec le CBIOS, donc c'est le Centre européen d'expertise en biomimétisme qui est en train de se monter dans la ville de Senlis. C'est une formation expérimentale dont on a fait une première session sur un peu plus d'une trentaine d'heures, où on va déjà former différentes personnes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, aux différentes possibilités d'application du biomimétisme dans l'architecture, la chimie, l'urbanisme, mais aussi par exemple le management, l'entreprise, etc. Et l'idée, c'est de mettre en place, donc en collaboration avec le CBIOS, une série de formations métiers qui seront aussi reconnues par les universités et les écoles d'ingénieurs. On fait ça aussi avec la Fondation UNIT, qui regroupe plusieurs écoles françaises. Donc l'idée étant de pouvoir avoir des certificats et des formations diplômantes. Donc c'est en train de se mettre en place, ce qui est plutôt enthousiasmant, parce qu'effectivement, avant, il n'y avait pas de formation dans cette direction-là. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, actuellement, en 2014. Ça me réjouit beaucoup d'entendre ça. Je suis heureuse parce que c'est notre... Tout à l'heure, nous avons assisté à une conférence de l'Institut des futurs souhaitables. Je crois vraiment que le biomimétisme fait partie de ces futurs souhaitables. Et d'où sortent aussi d'autres domaines comme la permaculture, comme l'économie circulaire, et puis pourquoi pas aussi les énergies libres sous grand titre. Oui. Et c'est un domaine qui est tellement important pour notre futur. Absolument. Je dis souvent, vous savez, le biomimétisme, c'est un isme comme un autre. Il y a toutes sortes de méthodes. Je ne pense pas que le biomimétisme, s'il n'est pas pris dans une vraie compréhension de l'objectif pour lequel on l'utilise, ne sera pas plus, risqué ou dangereux à utiliser parfois que d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'en fait... Le but n'est pas le biomimétisme, c'est un outil pour arriver à un but qu'il faut clarifier en soi. C'est un outil pour moi, en tout cas, au même titre que la permaculture que vous avez citée, qui ont des convergences de vues. Sinon, on va se tomber encore dans des écoles. Alors moi, je suis plutôt biomimétisme, Non, le but, c'est de se fixer un cap qui a été assez bien défini par une méthode qu'on appelle Natural Step, entre autres, et qui, pour moi, est complètement convergent avec le biomimétisme, c'est de se dire quel est l'échiquier, finalement, sur lequel on peut jouer toutes les parties possibles, de façon à être en harmonie et non pas en guerre contre la biosphère. Voilà, en harmonie avec et non pas en guerre. Donc, à partir du moment où on a défini cet échiquier, ce champ des possibles, alors là, effectivement, le biomimétisme est un formidable accélérateur de parties. Mais on reste quand même dans un champ des possibles qui a été sécurisé pour ne pas se retrouver à créer des innovations qui vont régler un petit problème technologique et créer d'énormes problèmes systémiques.
Et donc finalement, ça avérait être contre-productif sur le long terme. Merci de le mentionner. Je crois que c'est très important. Chaque science a une certaine valeur ou éthique. De toutes les façons, reste vide et surtout le biomimétisme. C'est ça qui me dérangeait aussi un peu parfois de voir, oui, on a copié ça ou ça de la nature. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le but ? Voilà. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Pascal, je ne suis pas certain, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il faut vraiment clarifier l'intentionnalité. Quelle est l'intention dans ce que l'on fait ? Et à partir du moment où l'intention est claire, on peut se tromper, mais les fruits à un moment donné seront bons. Voilà. Par contre, si notre intention est matinée d'arrogance, de productivisme à l'extrême, de matérialisme qui devient un but en soi, alors même si on utilise le biomimétisme, les fruits ne seront pas bons. L'intention est traduite par le design. Et c'est vrai, après, on va voir quel fruit ça apportera. Tariq, est-ce qu'on peut conclure avec un exemple peut-être qui vous semble le plus cher pour l'instant de biomimétisme concret qu'on puisse connecter à ça ? Est-ce que vous avez un exemple concret ? Alors, j'en ai plusieurs qui me tiennent à cœur, mais je vais en sélectionner un parce que, vous voyez, on est dans une pièce avec des bureaux, en fait, des morceaux de bois qui ont été collés. Et bien souvent, en fait, on utilise des colles qui dégagent dans l'environnement intérieur des pièces toutes sortes de polluants qui s'avèrent être des polluants toxiques, des perturbateurs endocriniens, etc. Et il y a une société, donc en Amérique du Nord, qui s'appelle Columbia Forest Product, qui s'est intéressée à la moule. Donc la façon dont la moule s'attache au rocher est absolument incroyable parce que là, ce sont des animaux qui sont soumis à des marées, à des vents, parfois quand la marée est basse, à des courants, à des vagues, et pourtant ils sont capables de s'accrocher à leur rocher d'une manière très très efficace. Eh bien, ils ont développé une colle en étudiant les protéines de la moule et en essayant donc de trouver l'équivalent dans des protéines de soja, mais en comprenant bien comment les protéines de la moule fonctionnaient pour expliquer leurs propriétés d'adhérence, et ils ont mis au point une colle complètement efficace par rapport à leurs besoins et inoffensive d'un point de vue environnemental. Donc là, je trouve que c'est vraiment un bel exemple, parce que c'est pas forcément un animal extrêmement symbolique, comme le martin pêcheur, mais en même temps, qui avait trouvé une petite façon de faire pour coller sans détruire, sans propager d'éléments nocifs, et qui a été adapté par une entreprise capable de développer des panneaux de bois collés grâce à ça. C'est un exemple que je sélectionne pour aujourd'hui, mais il y en a tellement d'autres. Des milliers, merci Tariq. Et j'invite tous les spectateurs, quand vous êtes dans la région ou dans d'autres occasions éventuellement, d'assister à ces conférences de Tariq ou d'autres personnes qui en parlent. C'est vraiment un champ très très inspirant, intéressant, sur tous les domaines de la vie en fait. Et je vais, comme d'habitude, mettre les coordonnées de votre association, si vous voulez. www.biomicroeuropa.org. Je vais les mettre et toute personne, et je m'adresse aussi pourquoi pas vraiment aux jeunes, parce que je crois que ceux qui sont un peu découragés dans leur vie, ça peut vraiment donner une bonne contribution. Je dirais même que l'époque a besoin de transgression. Il ne s'agit pas de prendre, là je m'adresse à vous aussi les jeunes que vous qui regardez, même un Tariq, même qui vous parle de biomimétisme ou d'autres personnes, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, parce que quelque part, avec nos meilleures intentions, on a participé à une société qui a conduit à l'anthropocène. Donc il y a besoin d'inventer maintenant, et d'inventer en étant reconnecté avec la nature qui nous a hébergés depuis tellement de milliers d'années. Et c'est le moment où il faut essayer des choses et ne pas reproduire le système tel qu'il est. On a besoin de ça. Et ça, c'est vrai que les jeunes, pour ça, sont porteurs de possibles qu'il est grand temps de laisser s'exprimer. Accompagné par des sages un peu expérimentés déjà, qu'est-ce que ça peut donner que du meilleur ? Merci d'avoir écouté, merci de nous avoir accompagnés, merci Tariq. Merci de cet instant, et à bientôt, j'espère. Pareil, à bientôt, au revoir, merci.